Bonjour tout le monde, c'est moi Bridge Fanny. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Trunks et Marron dans Dragon Ball. Et bien, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, quand j'expliquais Dragon Ball FighterZ, j'ai dit que j'aimais pas quand Trunks était avec Marron. J'aime pas, en fait, j'aime bien quand ils sont avec Marron parce que Trunks et Marron, je vois qu'ils sont là pour. Ils font. Ah, vous savez. Ils sont vraiment mignons. Ça fait l'année dernière que j'arrive pas de voir les ça. Pourquoi Trunks n'est pas amoureux de Marron ni Mai? Je sais que Trunks est 5 fois plus grand que Marron, oui, je sais. Mais c'est que là, on dirait qu'il devrait avoir un coup de foudre avec ces deux-là. Oui, comme je l'ai dit, j'aime bien ces deux-là quand ils sont amoureux. Parce qu'ils pourraient avoir un beau foutu si ces deux-là sont amoureux. Moi j'apprécie beaucoup. Pourquoi Akira Toriyama n'a pas fait ça, ou soit c'est sur les auteurs, je sais pas. Mais moi je trouve qu'ils vont très bien ensemble ces deux-là, parce que je pense ça tous les jours je pense ça. J'ai fait même un Dragon Ball, je vais pas vous dire le nom de Dragon Ball, là, je suis bon copier. Et ben les deux Trunks et Marron sont vraiment amoureux. Là, donc, dans mon anime à moi. Et ben Marron était amoureux de Trunks. Et Trunks n'était pas encore amoureux de Marron. Et ben, quand elle a vu Marron pleurer, ben Trunks a eu le cœur brisé. Et quand tu la vois pleurer, raisonner, et ça a marché, ils se sont embrassés. Et ben, il aurait dit, oh, ça, le Dragon Ball GT. Ben, enfin, moi je donne la chance à Marron, parce que dans mon manga, Marron a des pouvoirs, il peut même dépasser les dieux. Et ben, il y a beaucoup de fans qui n'apprécient pas Marron, parce que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fille. Il y a des fans qui disent qu'elle sert à rien, peut-être un jour elle va servir à quelque chose. J'apprécie aussi Bra, beaucoup aussi. Enfin, écoutez-moi, je sais que vous trouvez ça bizarre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez qu'à écrire en commentaire, c'est pas grave. Parce que moi j'aime beaucoup, beaucoup ces deux-là quand ils sont ensemble. Franchement, ils sont vraiment mignons. Je dis pas que Trunks ne va pas bien avec Marron, je dis que Trunks et Marron doivent être amoureux. Franchement, ils sont vraiment mignons ces deux-là. Je prends ça tous les jours, tous les jours. Ils sont vraiment très mignons. Dans mon manga, c'est plus. Dans mon animé Dragon Ball à moi. Non, pas dans mon animé. Dans mon manga Dragon Ball à moi que j'ai fait. C'est du là, ne se quitte jamais. Franchement. Et. C'est vrai que Trunks c'est 100 fois plus grand que Marron. Mais ça veut pas dire, c'est pas l'âge qui. Enfin, l'amour a tous les droits, hein. Que moi je pense. Et ben, s'il y a des fans qui disent que. Goten va bien avec Marron. Oob va bien avec Marron. Ah ben non, sans Goten, lui. Sans Goten, il y a déjà une copine quand vous avez. Si vous avez regardé Dragon Ball GT. Elle s'appelle Valence, cette fille aussi j'apprécie beaucoup, elle est vraiment jolie. Et j'aime bien aussi quand Goten soit avec Bra. Bra, la fille de Vegeta. Même si Vegeta, dans les stories. Enfin oui, Trunks et Marron, ils doivent être faits l'un pour l'autre. J'aurais pas pensé ça, c'est vraiment mignon les amis. Quand chaque fois que je vois ces deux-là. Franchement, ils sont vraiment, vraiment mignons, ces deux-là. Genre, je prie pour ça. Si un jour, dans l'animé, dans le manga, pour de vrai que Trunks soit amoureux de Marron. Et dans Dragon Ball GT, c'était pas le cas, ni dans Z. Mais, vous avez remarqué dans Dragon Ball Super, Trunks et son Goten. Une nouvelle amie, vous savez c'est qui la meilleure amie Marron.
Et enfin, je sais pas si Marron peut traîner avec Trunks ou sans Goten pour de vrai, parce que dans mon manga, parce que dans mon manga, il traîne tous les jours dans mon manga. Et dans mon manga, ils sont très 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 forts. Ils ont pris un entraînement divin aussi. Avec un personnage, je ne veux pas vous donner le nom aussi, parce que j'ai le fait. Il est plus fort que n'importe qui, plus fort qu'un ange. Mais je ne peux pas vous le dire le nom. Si vous me copiez, je vais vous dire le nom. Okay. C'est vraiment romantique. Ah. J'ai fait plein de films de mon manga. Tant essayé son Goten sont amoureux, tout ça. Enfin, Marron peut avoir toutes les chances d'apprendre à se battre. Mais je sais pas pourquoi on n'a pas mis Marron se battre. Parce que Zit ne veut pas. Soit ça ne rend pas entre les fans. Parce que moi j'apprécie beaucoup beaucoup cette fille. Je crois que je suis le seul fan de Dragon Ball qui apprécie Marron, Bra et Valèze. Enfin, j'apprécie beaucoup beaucoup cette fille. Sérieux, j'aime bien ces deux-là. Ils sont vraiment mignons. Mignons, mignons, mignons. Je pense ça tous les jours. Si vous en pensez que c'est très mignon, si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne connaissez pas le français, c'est pas grave. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, vous n'avez qu'à liker. Si vous en pensez quelque chose, vous avez qu'à écrire en commentaire. Et j'aurais dû faire cette vidéo pour la Saint-Valentin, mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas ce truc là où filmer sur le téléphone. Et ben, si vous appréciez beaucoup, 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 beaucoup Trunks et Marron, et ben vous avez qu'à me le dire en commentaire. J'en supplie, les amis. Je vous en supplie. Je n'arrête pas de penser ça. Ces deux-là sont bons. Je les aime bien beaucoup. Beaucoup. S'il vous plaît. J'ai envie que Trunks soit avec Marron pour de vrai. Même si Zeus n'est pas d'accord. Parce que dans mon manga, Zeus est un peu zinzin. Bah. Je vous en supplie, les amis. C'est mon rêve de Dragon Ball. Enfin, aussi, je rêve que Dragon Ball continue jusqu'à que je devienne vieux. C'est aussi mon rêve le plus cher de Dragon Ball. Trunks et Marron, amoureux. C'est ça mon vrai rêve, mon premier rêve de Dragon Ball. C'est ça ce que je veux, ce que je demande. Si un jour Akira Toriyama regarde ma vidéo, eh ben, il comprendra. Écoutez votre cœur, votre amour. Parce que j'aime bien ces deux-là, les amis. Ils sont vraiment mignons. Eh ben, c'est tout ce que vous avez à dire, j'avais à dire, les amis. Eh ben, si vous avez aimé vraiment la vidéo, si vous aimez Trunks et Marron amoureux, vous avez qu'à mettre un pouce en l'air. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez un commentaire. Si l'un de vous, l'un des Français qui connaît Akira Toriyama, vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, pour le montrer. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie que Trunks soit avec Marron. C'est pas une obligation, hein, parce que je suis ému avec ces deux-là et j'apprécie beaucoup cette fille, les amis. Moi-même, dans mon manga, j'ai donné la chance qu'elle dépasse les dieux, qu'elle a un niveau d'ange. Mais je ne peux pas vous dire la transformation. Ces deux-là, c'est vraiment mignon, 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 mignon. J'aime bien. Bon, au revoir les amis. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous avez qu'à regarder mes jeux vidéo. Je ne sais pas si un jour je vais faire le coloriage, je ne sais pas quand. Eh ben, ok. Eh ben, à plus. Eh ben, pour... Non, laisse tomber. Allez, merci de m'avoir suivi. Au revoir.